Toutes les mesures de la santé publique concernant la COVID ont été respectées durant le tournage de la thématique. Lors du dernier épisode... C'est l'heure de dragon! On s'en va en mission pour trouver la recette. On va résoudre ce mystère. Aidons Marionetti à redevenir gentil en usant stratégie. On s'en va en mission, sauver le Patrocini. On va résoudre ce mystère. Peu importe le défi, on a une belle chimie pour stopper les ennemis. Pas de défi pour trouver les ingrédients et des embûches. T'attends au bout de la piste. On s'en va en mission avec Ravioli. On va résoudre ce mystère. L'amitié avant tout, nous conduirons à vous. C'est un rendez-vous. Monsieur Père Noël! Mais par la barbe du Père Noël! Spaghetti, il y a au moins 10 ans de cela, tu m'as demandé une machine à smoothie. Oh oui! Toi, Ravioli, cela fait longtemps que tu m'as pas envoyé une carte. Je me rappelle, il y a plusieurs années, tu m'avais demandé... Je sais! Tu m'as demandé un grille-pain. Oui, j'ai beaucoup aimé ce grille-pain. Ça faisait des bonnes toasts dorées. Oh, que oui, et des pop-tarts! Oui, ça aussi. On est en mission, on aurait vraiment besoin de votre aide pour aider notre ami. Mais pour ça, il nous faudrait les biscuits de la Mère Noël. Biscuits sont très rares. Ils ont la magie de Noël. Et pour les avoir, il faut les mériter et faire une bonne action pour Noël. Alors, je vais vous les donner. Seulement si vous emballez. Oh, oh, oh! 100 cadeaux de Noël. Mes lutins ont pris leurs vacances. Et moi, je suis tout seul. Et j'ai besoin d'aide. 100 cadeaux. Lutins, chef de l'emballage. Oh. Oui. J'ai besoin que vous apportiez ces gentils enfants à l'emballage de cadeaux. Pour qu'ils emballent plein, plein, plein de cadeaux. Et oublie pas, prends le temps de bien tout expliquer. D'accord. C'est parti, vous pouvez le suivre. Mais venez avec moi! Oh oh oh! À tantôt! Bienvenue ici, c'est mon atelier! Ça, c'est toutes mes chansons ici! Là, on va emballer les cadeaux! Là, on en va, on met le cadeau dedans, on en va comme ça, comme ça! Bon, puis là, après ça, on ferme! Puis là, ça fait un beau cadeau comme ça! D'accord? Il faut en faire 100! Ça va, ok? Merci! Ok, on est capable de faire ça. On met le cadeau. Il nous faut les ciseaux, le papier collant. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Ah non. Doucement, il y a d'autres ménages à faire. Oh. Ok. Oh. Je pense pas qu'on va être capable d'en faire 100 spaghettis. Wow. Ah. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ben, je trouvais ça joli. Ouais. Mais là, on sera pas capable de faire tous les cadeaux qu'elle veut qu'on emballe. Ah, peut-être que l'autre lutin pourrait nous aider, lui, à faire les 100 cadeaux parce que. Tu lui demandé? Coucou! Bonjour, je m'appelle Lutin 346. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que tu pourrais nous aider à emballer les 100 cadeaux? Oui, mais dans le fond, moi, je suis juste responsable du balai. Chez moi, je suis pas upgradé pour faire des cadeaux. Ben, je pourrais t'upgrader, moi, juste pour aujourd'hui, pour nous aider. T'aimerais-tu ça? Ben, c'est parce que moi, j'ai jamais fait ça de cadeau de ma vie. Ah, oh, mais vous êtes capable, c'est comme manger du spaghetti, ça se fait tout seul. Ouais, moi, on fait le mélange avec la canne de bonbons dessus, c'est la même chose. Oui. Ok, ben, moi, je voulais essayer de quoi, mais tu sais, je vous garantis rien, là. Mais, je crois que c'est dans le fond. Laissez-moi faire. Crouch.
voilà, c'est ça d'où vient? J'ai jamais vu quelqu'un faire autant de cadeaux en aussi peu de temps. J'avoue que moi aussi je suis surpris. C'est pas mal une bonne chose pour une première fois. Hey, merci beaucoup, hein. Mais là, regarde, je vous ai attendu à faire vos cadeaux. Moi, faut que je ramasse tout le dégât que j'ai fait. Hein? Moi, je pense que ça serait donnant-donnant si vous m'aidiez à passer le balai. N'est-ce pas? Oui, ça va me faire plaisir. Puis faut que je déballe les spaghettis. J'ai pas le bras. Allez, viens, viens, c'est le bureau du Père Noël. Oh, oh, oh. Bonjour, Père Noël. On a réussi votre mission. On a emballé les 100 cadeaux. Mes enfants, le Père Noël doit vous remercier pour avoir réussi à emballer 100 cadeaux pour Noël. Vous avez l'esprit de Noël et c'est pour cela la mère Noël va vous donner non pas un, mais 3 biscuits de Noël. Vous pouvez leur passer les biscuits, mère Noël. Félicitations! Oh, les biscuits! Merci beaucoup. Maintenant, il faut aller dans la forêt fantastique chercher une plume de flamant rose. T'es prête? Bonjour, chance que j'en ai gardé un, merci! Où est le lutin 343? Bonjour, monsieur, Père Noël. Je suis lutin 343. Calmez-vous, calmez-vous, mon enfant. Je vous ai vu en bas, en train de faire des cadeaux dans l'atelier. Et j'ai remarqué que vous aviez beaucoup, beaucoup de talent, n'est-ce pas? Oui, je suis désolé, Père Noël, j'aurais pas dû. Mon boss, c'est le balai. Mon enfant, j'ai décidé de te donner une promotion. Une promotion? Tu vas devenir responsable de tout l'emballage des cadeaux de Noël. Wow! Vous êtes certain que vous faites un bon choix? Vous avez le plus grand esprit de Noël et vous serez le meilleur lutin pour faire cette tâche. Je veux vraiment vous remercier, Père Noël, c'est vraiment un beau geste que vous me faites. Puis je vous le dis, vous serez pas déçus, là. J'en suis sûr. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Est-ce que je peux prendre un biscuit? Allez-y! Merci. Joyeux Noël! Au revoir! Maître, je n'ai pas réussi la mission. Ils sont trop forts! Quoi? Je te donne une mission super simple et tu réussis à échouer. Mais je ne sais pas comment! Réessaye, tu dois réussir à me les ramener, sinon, gare à toi! Oh, j'y vais!